Gut morgen alle Yiden. L'étude sera aujourd'hui lire Fouat Chaya Esther bat Miriam et Torchar pour l'Israël et aussi l'Elu Nishmat Rivka bat Sarah, Rachel Rachel bat Sarah, Arif Yosef Remedem Asimcha, Ed Adel bat Sol Tarab et Chaim bar Esther Lachmi. Si vous souhaitez vous aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Baba Batra, Perik Vav, Mishnah Gimel. Amocher Yain Lachavero ve Echemitz, Eino Chayav ba Achar Yoto, Vem Yadua Sheyeino Machmitz. הרי זה מקף טעות. ואם אמר לו יין מבוסם, אני מוכר לך, חייב להעמיד לו עד העצרת. וישן משל אשתקד, ומיושן משל שלוש שנים. On continue à traiter du sujet des ventes de produits défectueux, définir les limites à partir de quand on considère que c'était ce qu'on avait convenu, ça entre dans le cadre, ça n'entre pas dans le cadre. On avait parlé hier de celui qui vend une cave, plusieurs tonneaux de vin, et que là-bas, il s'avère qu'il y avait des tonneaux en fait, qui contenaient du vinaigre. Et maintenant, dans du vinaigre ou du vin de mauvaise qualité. Dans notre Mishnah, on parle maintenant d'un... On continue à parler du vin, mais cette fois-ci avec un vin qui tourne trop rapidement au vinaigre. « Amocher yain lachavero ve'echemitz » Celui qui vend du vin à son ami, ve'echemitz, et le vin devient du chometz. Il tourne au vinaigre. La Mishnah nous enseigne « Eino chayav ba'achar yuto » Il ne devra pas garantir la vente, c'est-à-dire l'acheteur ne pourra pas partir se plaindre chez le vendeur en lui disant « C'était un vin de mauvaise qualité, il a tourné trop vite au vinaigre. » Mais il devra... Oh, alors on va préciser dans quelques secondes, on fait juste encore la petite phrase qui suit « V'emiyadua sheyeino machmitz » Par contre, si on sait que le vin du vendeur, donc, est un vin qui tourne rapidement au vinaigre, c'est un vin de mauvaise qualité, ouais, selon la force, c'est rapporté dans la Gemara, dans Baba Metzia cette fois-ci, que selon la force du vin, hein, alors le vin tourne plus ou moins rapidement au vinaigre. Plus ce sera un vin costaud, qui est fort, je ne sais pas si c'est en teneur en alcool, je ne sais pas exactement, en tout cas c'est un vin qui a un goût fort de vin, plus ce sera un vin qui gardera son goût au long terme. En tout cas, donc la Mishnah nous dit, « Vemiyadu ha-shayeino machmitz » Si l'on sait que c'est un vin... C'est le vendeur, c'est tout le monde, c'est, on sait que c'est un vin qui tourne rapidement au vinaigre, il est de mauvaise qualité. À réaliser mes cartes hautes, dans ce cas-là, il pourra annuler la vente. De quoi parle-t-on? Deux précisions très importantes, rapportées par la Gemara, puis par le Bartanora. On parle que, tout d'abord, l'acheteur a précisé qu'il voulait du vin, les mikpa, pour la cuisine, comme ce qu'on a enseigné dans la Mishnah d'hier. C'est-à-dire, quand c'est un vin pour cuisiner... Alors, on entend par le fait que tu me dis que tu vas cuisiner avec le vin, que tu vas faire de la cuisine avec le vin, on entend que ce vin-là, ce tonneau, tu vas le garder pendant longtemps en cuisine. Quand on boit du vin à table, alors on boit tous les jours son petit demi, nous les bons Français, d'accord? Donc on épuise le vin un certain laps de temps, je ne sais pas, un litre par 2, 3, 4 jours. En tout cas, ça va vite. Par contre, lorsqu'on fait de la cuisine avec le vin, on utilise beaucoup moins de vin. De ce fait, lorsque je viens acheter du vin en disant que j'ai besoin de vin pour la cuisine, alors là, ma phrase signifie que le vin, ce tonneau-là que tu dois me fournir, un tonneau qui va me tenir assez longtemps, d'accord? Il va me tenir quelques mois, le temps d'épuiser tout le vin pour la cuisine, d'accord? De ce fait, tu dois me donner un vin de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle la Mishnah nous enseigne « Vemiyadua sheyeino machmitz » Je commence d'abord par la deuxième phrase, après je vais remonter sur la première. « Vemiyadua sheyeino machmitz » Si tout le monde sait que c'est un vin qui tourne rapidement au vinaigre, alors il devra lui assurer, lui rembourser la vente, parce que, étant donné que l'acheteur précise qu'il veut faire de la cuisine, donc je dois lui fournir un vin qui va tenir longtemps. Par contre, on déduit déjà tout de suite que s'il ne me précise pas qu'il compte faire de la cuisine avec ce vin, alors dans ce cas-là, je ne devrais pas assurer la perte. Pourquoi? Parce que je pourrais lui dire, c'est vrai que mon vin est de mauvaise qualité, c'est quelque chose de très connu, mais quand même, peut-être que tu comptais le boire en une semaine, deux semaines, tu dois avoir des invités à table, et il aurait très bien tenu pendant une, deux semaines, il n'aurait pas pris de mauvais goût. Tu reviens après un mois et demi, tu te plains que le vin il a tourné trop vite, c'est plus mon problème, tu n'as pas précisé au moment de la vente que tu voulais un vin qui va te tenir pendant longtemps. Ça, c'était la première précision. Maintenant, une deuxième précision très importante, lorsque l'on dit que, donc, lorsque je vends un vin, tant que mon vin n'est pas réputé pour tourner vite au vinaigre, que dans ce cas-là, la première partie de la Mishnah nous enseignait « Eno chayav bar yuto »
même si tu m'as dit que tu comptais garder ce vin pendant longtemps, je pourrais te dire quoi? Alors, la Mishnah nous dit que je ne dois pas assurer la perte. Pour quelle raison? Puisqu'on parle d'un cas où le vendeur, l'acheteur a précisé qu'il comptait le garder pendant longtemps, la Gemara explique que l'on parle que le vendeur, que l'acheteur a ensuite transvasé ce vin dans ses propres ustensiles. C'est-à-dire, tant qu'il revient avec mon propre tonneau et qu'il me dit, écoute, je t'avais précisé que... Donc maintenant, je résume la faute. Si l'acheteur revient après 2 mois et qu'il me dit, je t'avais précisé au moment de la vente que je voulais du vin pour la cuisine, j'ai laissé le tonneau tel quel, je ne l'ai pas encore ouvert, maintenant je viens de l'ouvrir et je remarque qu'il a tourné au vinaigre, alors la Mishnah n'a pas parlé de ce cas-là, et effectivement, je devrais lui rembourser le tonneau. Pourquoi? Il m'a dit qu'il en avait besoin pour longtemps, puisqu'il a dit qu'il veut faire de la cuisine, et il l'a laissé dans mon tonneau. Par contre, s'il a transvasé le vin de mon tonneau à son tonneau, il l'a mis dans un autre ustensile, et puis après il a fermé son tonneau. Alors sur ça, je lui ai dit, écoute, peut-être que tu as fait une erreur de manipulation, tu l'as laissé prendre un petit coup de chaud au moment où tu l'as transvasé, tes ustensiles sont de moins bonne qualité que la mienne, tu as un mauvais mazal, toutes sortes d'excuses que la Gemara évoque. Alors là, dans ce cas-là, la Mishnah nous enseigne Enochaev Bachariuto, à l'exception maintenant du cas où c'est connu que mon vin tourne rapidement, que dans ce cas-là, je ne pourrais pas me barricader derrière des fausses excuses en disant « Ouais, mais peut-être que c'est toi qui as mal manipulé ou peu importe ». Tu vas me dire, arrête tes histoires, on sait très bien que c'est ton vin qui a de mauvaise qualité. Tu m'as donné de la piquette. Tu m'as donné du vin qui tient pas la route. D'accord? On a fini maintenant la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, maintenant, c'est simplement d'expliquer tacitement qu'est-ce qu'on inclut lorsqu'on va préciser toutes sortes de précisions de qualificatifs sur le vin. Vim amarlo yain mevusam animocher lecha. Si il lui a dit, je te vends un vin, tel que c'est écrit, mais vous, Sam, ça veut dire un vin parfumé, un vin qui a un goût riche, apparemment. Animocher lecha, donc je te vends un vin qui est parfumé. Chayav la midlo ada atzeret. Il devra, dans ce cas-là, veiller à lui donner un vin qui est capable de tenir jusqu'à la période de Shavuot. Quelle que soit la période de l'année, on est rentré en hiver, on est à la fin de l'été. Donc, je te dis que je te vends un vin parfumé. Dans ce cas-là, c'est un vin qui doit tenir jusqu'à Shavuot. Par contre, après Shavuot, non. Pourquoi? Parce qu'après Shavuot, il est possible que mon vin, en fait, était de bonne qualité, mais après Shavuot, il commence à faire très chaud, on commence à entrer en été. Et dans ce cas-là, si tu viens me te plaindre, je vais te dire, mon vin, il était de bonne qualité, mais il n'était pas capable de tenir les chaleurs d'Israël. D'accord? Donc finalement, c'est pour ça qu'il doit lui fournir un vin qui est capable de tenir jusqu'à Shavuot, Atzeret. Dans la Mishnah, Atzeret c'est Shavuot, d'accord? Chag c'est Sukkot, Pessah c'est Pessah, et Shavuot on appelle ça Atzeret. Voilà pour la deuxième, donc cette phrase-là. Petite remarque sympathique du Rachash, c'est que le Rachash nous dit que Mevusam, il ne faut pas le lire avec un Sin, mais avec un Samer. Comme on dit, Chayavinish levasume bepori, un homme doit se saouler. En fait, il a acheté un vin fort qui enivre, il a acheté un vin enivrant, d'accord? C'est le rachage, enfin sympathique, remarque sympa. Veyachan maintenant, si jamais je t'ai précisé que je veux, donne-moi un vin vieux, vieilli, un vin vieilli. Alors Michel Eshtakad, il doit lui fournir un vin qui a au moins un an. Il a passé un an en cave, et alors là ce sera ça, un vin vieilli. Et Umeyushan, je sais pas comment traduire ça en bon français, ça fait un vieux de la vieille. Un bon vieux vin. Je précise, pas juste un vieilli, un bon vieux vin. Alors là, dans ce cas-là, Michel Shaloshanim, il faudra que je lui donne un vin de 3 ans, c'est-à-dire qu'il a déjà passé 2 ans et qu'on est dans sa 3e année. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Bartanora. Eino Chayav, on se rapporte sur le fait que, sur la première partie de la Mishnah, que le vin a tourné au vinaigre, que la Mishnah m'enseigne, que je ne dois pas couvrir, garantir la vente. Amocher Bachayuto. Eino Chayav, Amocher Bachayuto. Ça se lit ensemble. Le vendeur ne doit pas garantir ce vin. Pourquoi ? Des bishat mechira yainave, parce que cette fois-ci, à la différence de la Mishnah précédente, lorsque je lui vends le vin, au moment de la vente, c'est du bon vin. Vedavka, attention, alors le Bartanora nous précise. Vedavka shenasa chometz bekelav delokar. On ne parle que du cas où il a tourné au vinaigre une fois qu'il était bekelav delokar, dans les ustensiles de l'acheteur. Par contre, dehi bekelav shel mocher, par contre, s'ils sont restés dans les ustensiles, dans le tonneau, donc, du vendeur, Matsia Marley, ha, chamercha, ha, kankanecha, voilà ton chamar en araméen, c'est le vin, d'accord? Donc voilà ton vin, et voilà ta cruche, telle quelle, j'ai rien fait.
Le Barthénois nous précisera plus tard que toute notre Mishnah nous parle que du cas où il achetait du vin pour en faire de la cuisine. Les mikpas. Ça va être dans le prochain Barthénois. D'accord ? Et le vendeur ne pourra pas lui rétorquer en lui disant « Mais il fallait le boire tout de suite, pourquoi tu l'as laissé tellement de temps ?» Atudav sadit, c'est toi qui t'es occasionné cette perte. Pourquoi ?« Dematzi he'ach amarle » car l'acheteur pourra lui rétorquer « Hameikara » alors depuis le début « Odaticha sheloya bedati l'estapek minayayin el ameat meat » Je t'ai fait savoir que je comptais utiliser ce vin peu par peu. Pourquoi ? Parce que ça va être précisé tout de suite dans le prochain Vartanura donc. Mais Miyadoua Shayeno Mahmit, par contre, si on sait que c'est un vin qui tourne, que tout le vin du vendeur a tourné, tourne au vinaigre de partout, d'accord ? C'est un vin connu qui est de mauvaise qualité. Shayeno Mitkayeb. Parce que c'est un vin qui ne tient pas la route. Il ne reste pas longtemps. Veidach Amarle Lobael Yain El Al Mikpa. Et l'acheteur, lorsqu'il est venu acheter, il a précisé : je ne veux du vin que pour en faire de la cuisine. El Mikpa, on avait appris hier. C'est pour en faire de la cuisine. Velish Roto, et pour le laisser, l'écart mimino, mais pour en prendre petit à petit, peu par peu. Donc dans ce cas-là, Rezem et Kartaout, ce sera une vente annulée, une vente erronée. De Aveleleo Doesh et Nyeino Machmitz. Parce que dans ce cas-là, il aurait dû lui faire savoir depuis le début que sache que je te vends du vin, mais ne le laisse pas trop traîner parce qu'il peut tourner au vinaigre. Ensuite, mais vous, Sam, le vin parfumé. Darko Leit Kayem Ada Atseret. Son usage est de rester avec son goût fort, jusqu'à Atseret, jusqu'à Shavuot. Bon, Misham Veila, Chachom et Kalkelo. Par contre, au-delà, la chaleur le fait tourner. Veyashan, maintenant, s'il achète un vin vieux, Vimacharlo Yain Almenachu Yashan, si le vendeur lui a vendu un vin prétendu être un vieux vin, alors, Notanlo Michel Eshtakad, il devra lui donner au moins un vin qui date de l'année dernière. Minashana Shavra Akodemet Lezo. De l'année passée avant celle-ci où l'on se trouve. Entre parenthèses, le mot Eshtakad, il existe même en hébreu un petit peu plus soutenu. On utilise Kageshem de Eshtakad, comme la pluie de l'année dernière. Eshtakad, c'est rapporté ici dans le Mefarshim. Eshtakad, c'est un mot composé de l'araméen qui va faire Shata Kademita. Shata, en araméen, c'est l'année, comme on dit à Pessah, Hashata Acha. Shata, c'est l'année. Kadmita, Kodemet. Ça fait quand on contracte Shat, Kad, Eshtakad. Ça, c'était pour le Veyashan. Et il s'avère qu'on a fini la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv Selah.